Et yo à tous, amis SH, chasseurs de chromatique, bonsoir! Nous sommes le 10 mai 2011, il est 18h57 maintenant, oh non, 58! Et il était à peu près 18h54 quand je suis tombé sur un chromatique! Ouais! Alors, comment dire, je vais pas faire attendre plus longtemps, voici déjà, voilà. Vous avez une idée de ce que je cherche, donc oui, le laboratoire Bourgeon, les starters de Johto. Alors, la situation est un peu particulière, c'est pas ma Heart Gold, bien sûr. C'est une Soul Silver, donc c'est assez compliqué à vous expliquer, et puis ça vous intéresse pas, je vous comprends. Donc bref, je me suis décidé de chasser les starters en me disant, parce que j'en avais marre, j'étais sur Rayquaza à 12 000, que c'est un shiny que je veux absolument, et donc logiquement, il m'en fait baver. Et j'ai décidé de faire, voilà, d'arrêter un peu de chasser parce que ça faisait longtemps que je faisais du intensif sur Rayquaza. Une recherche facile parce que bon, voilà, c'est vraiment facile de trouver un shiny même s'il y a un peu le hasard. Et donc j'ai décidé de chasser l'un des starters. Et j'espérais parce que j'ai déjà, bon, j'avais pas vraiment envie d'avoir Hérissandre, donc ça tombe bien parce que vous le voyez là ici. Ben voilà quoi, c'est pas Hérissandre, ce qui est normal. Donc on va, voilà. Ce n'est pas Germignon non plus, donc il ne reste plus qu'une seule option. Attention les yeux. Magnifique. Caïminus chromatique. Ah ouais, il est vraiment beau. Bon. Bon, je continue dans ma lancée de ne pas être sur noir et blanc. Mais peu importe. Parce que je veux pas. Je chasse plus sur noir et blanc. Je fais l'aventure. L'aventure, je prends mon temps. Je m'éclate. Et je vous emmerde tous. Donc. Bon, cet écran est magnifique, bon, mais on va pas y rester dessus. Donc voilà. Donc, oui, il est très à mon goût, surtout shiny. Donc cette couleur assez verdâtre. Bon, au départ, j'avoue, quand je suis tombé dessus, j'ai pas tout de suite compris qu'il était shiny. Puis d'un coup, bon, faut savoir la réaction quand même. Ah, ouais, il est beau. Je confirme. Ma réaction, elle était assez calme. Bon, j'ai pas hurlé. Bon, heureusement, il y avait du monde dans la maison. Sinon, là. Donc, un surnom. Oh la vache, j'y ai pas pensé. J'y penserai. Ah ben non, je peux pas y penser plus tard. Bon, il n'y a pas de raison de faire une preuve Noaire ici, dans ce genre de cas. Bon, eh bien, tout simplement. Il va y avoir une petite pause. À tout de suite. Ben, nous revoilà après une pause d'environ 17 secondes. J'ai trouvé mon surnom, bon, on peut appeler ça un éclair de génie. Puis surtout, bon, voilà, je vais pas me faire chier. Donc, le nom, voilà. Trouvé dans l'instant, hein, attention. Corne, alors pourquoi Corne? Bon, c'est le nom du champion de type O de Ogoès dans Noir et Blanc. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Bon. Si vous avez un peu suivi dans l'affaire japonaise. Oh, on va utiliser celui-là. Bah ouais, je crois bien. Oh, quelle classe! Il est beau. Ouais. Oui, d'accord. Ouais, alors voilà le nombre. J'ai choisi le personnage féminin, donc. C'est assez simple. C'est parce que j'avais besoin. Enfin, je m'étais décidé. Il fallait que j'aie un Pokémon avec ce nom de dresseur-là. Parce que maintenant, voilà. À quitte à choisir, j'ai trouvé un. Il fallait que je trouve un. J'avais l'occasion de trouver un nom de dresseur. En même temps, vu que je viens juste de recommencer le jeu, c'est logique. Donc voilà, ça y est. Bon, une sauvegarde. On va éviter les conneries. Bon, 7 minutes de jeu. Et on va aller voir ses stats. En bon shiny, il devrait avoir des stats de merde, mais je serais pas contre un bah, déjà, un rigide, ce serait franchement le mieux. Mais à la limite, un jovial, je dirais pas non. Suspense, pudique, mon dieu. Et il est bien shiny, oh là là. Pudique, nature neutre, bon, c'est bien ce qui me semblait. Niveau stats, des stats vraiment neutres, bon, des stats de chaîne de starter. Ouais, ça peut le faire. Bon, très bien. Une deuxième sauvegarde. Ça peut toujours être utile. Et je sais pas encore ce que je vais en faire. Je pense que je vais quand même un peu progresser dans l'aventure parce que je compte au moins chasser Simularbre.
Parce que Simulard, sur ma version Hardgold, je l'ai pas chassé, je l'ai chopé à la barbare. Et voilà, bon, on va quand même faire quelques petites rencontres sauvages, tout ça, bon. Voilà. Parce que oui, vu que sinon la vidéo va durer des minutes. Ouais. Ouais. Sayonara. Ouais, bye bye. Salut. Ah ouais, c'est vrai que je peux pas courir, ça craint. C'est cool. Ah, quelle classe, quelle classe. Donc un shiny qui est arrivé vraiment très vite, c'est le numéro, donc... le numéro 1275e. Et au total, c'est le 3825e starter que j'ai rencontré. Ouais, ça le fait. Bah, il est reçu assez vite, hein, il s'est ramené assez vite. 3825, ok. Ces temps-ci, je réalise que j'enchaîne les shiny, parce que... Ouais. Oui, bien sûr. Bon, voilà. Ouais, c'est très facile de téléphoner. Allez! Bon, j'aimerais quand même bien faire quelques petites rencontres, alors si... Ah ouais, mais... Voilà. Allez. C'est parti. Bonjour. Ah bah, ça y est, il fait nuit. Ah bah ouais, c'est 19h, logique. 19h05, bizarre. Donc voilà, vous pouvez voir le nom de ma dresseuse, qui est pas mal. Me demandez pas pourquoi j'ai choisi ce nom, c'est juste parce que je surkiffe. Oui ! Je suis rentré dans les herbes sans problème ! Oh, bonjour ! Oh la classe ! Un shiny ! Il a l'air vert sur ma vidéo. Mais peut-être parce qu'il est vert en fait. On va dire qu'il est bleu turquoise. Quelle puissance ! Ouais, bon, ok. D'accord, j'aurais peut-être dû balancer un gros yeux d'abord. Tant pis, on y va la barbare. Bon, voilà, alors, bien, je vais parler un peu de mon intro. L'intro que vous avez vu au départ, donc ce sera mon intro définitive maintenant. Parce que l'ancienne, c'était une intermédiaire. Bon, je l'aimais bien, mais ce n'était pas un reflet... Mais c'est maintenant qu'il se décide à faire un coup critique. Ça reflétait pas vraiment... ce que je voulais... Bon, je sais pas ce que ça reflétait pas vraiment. Oh là là. Pff. Oh, il est beau ce shiny. Oh, c'est juste énorme. Je me rappelle plus, je crois qu'il faut que je passe par là. Ou quoi que même pas, non. Oh, fuck. C'est pas grave. Ah, il est vraiment beau. Donc voilà, nouvelle intro pour une nouvelle période où je commence non pas avec des Pokémon de 5G, mais là avec deuxième génération. Ça rigole plus. Oh, il va mourir. Bye bye. Il doit avoir une défense de merde, le pauvre. Quelle force! Oh, ce que c'est beau. Et ben, je pense qu'avec celui-là, je pense que ça fait quand même... quelque chose de bien qui est complété, et je pense faire une vidéo d'évolution avec pas mal des shinies que j'ai trouvé au Pokéradar, parce que ouais, je me suis intéressé au Pokéradar, et qui évolue genre Tarsal, Lixie et Ponyta et lui. Bon, ça fait une petite vidéo tranquille plutôt que de faire des combats un par un, je trouve ça mieux. Qu'est-ce que je dis, moi, des évolutions une par une. Mon dieu, la vidéo, quelle merde ça va être. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, allez, on va le déboîter. Et après ça, on coupera la vidéo, parce qu'après, on plonge dans l'aventure, mais voilà. Donc, ce magnifique shiny, il veut... Oh la vache. Magnifique. Donc, qu'est-ce que je fais? Je souhaite bonne chance à tout le monde. Bon, ça, c'est comme d'habitude. On change pas une équipe qui gagne. Et bon, après, pour vous parler un peu de ma recherche, je suis toujours sur Equaza, en fait. Celui-là, il s'est ramené, mais... ça me détourne pas de mon objectif prioritaire, il faut que je trouve cette grosse bestiole noire.
Parce que elle, j'ai une stratégie, j'ai un surnom, j'ai tout, il manque plus que le shiny. Bon allez, salut à tous et à la prochaine.